Salut les potagistes. Allez, je vous fais voir une autre tactique contre les limaces. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai pris des feuilles de mon gros chou, là, qui est là, là. Et je les ai disposées tout le long, là. Et hier, elles étaient nickel. Hein. Voilà. Regardez comment elles se sont fait bouffer hier soir. Voilà. Il faut savoir que les limaces, comme je vous ai déjà dit, préfèrent manger les feuilles en train de mourir ou faibles que les jeunes feuilles. Voilà un exemple ici. J'ai des belles feuilles ici. Elles s'attaquent à la feuille qui est en train de mourir. Vous voyez? Donc tout le long, j'ai les ennemis, regardez. Ils ont tout becté hier soir, c'est la folie, regardez ça. Mais en attendant, eh ben, elle laisse mes pousses. Voilà. Elle laisse mes haricots grimpants pousser tranquillement. Et ça, c'est plutôt le top. Donc il faut pas que je me manque, il faut que j'en mette régulièrement. Au moins, je vais être tranquille. Ouais. C'est ouf, hein. Ils préfèrent ça. Donc tant mieux, on le sait maintenant. Donc n'hésitez pas à mettre à les nourrir, hein, si vous voulez pas faire la chasse aux limaces. Le soir, même de produits chimiques. Après, vous avez les boîtes à les pièges à limaces, comme je vous ai déjà fait voir. Mais sinon, vous pouvez mettre des chutes de n'importe quel légume que vous coupez à la maison. Au lieu de les mettre au compost, vous les mettez dans votre potager. Les limaces attaqueront ça au lieu d'attaquer vos plants, vos jeunes plants. Ouais. Et j'en ai mis tout le long. Voilà, j'en ai mis un peu partout d'ailleurs. De l'autre côté, ici, là-bas, je vais faire voir ce que j'ai mis. J'ai mis tout ça hier soir. Donc, après aussi, le soir avec la lampe frontale, vous pouvez mettre venir les chasser. Hein. Vous les récupérez à la main et puis vous les donnez aux poules, vous les jetez chez le voisin. Voilà. Vous voyez, donc elles mangent, elles vont manger mes feuilles. Et du coup, elles vont peut-être un peu plus laisser cela. Parce que bon, celle-là, ils ont déjà morflé. Hein. Et là, vous voyez, par contre, le secret, c'est de ne pas laisser la boîte. Donc moi, il a fait chaud toute la journée. Là, ce soir, il faut bien que j'arrose les boîtes pour qu'elles puissent aller dessous. Bon, bien que vous voyez, il y en a une là. Hop, voilà. Une petite, allez, sacrifice, voilà, tac. Donc, quand même, regardez, si elles allaient bien être un piège, mais bon, vu qu'ils sont secs, ça m'étonnerait. Non, vous voyez, il n'y en a pas là. Peut-être dessous. Non, il y a un verre. Non, il n'y en a pas, c'est trop sec. Donc, pensez bien à arroser vos boîtes à œufs. Sinon, vous les arrosez le soir. Sinon, elles n'iront pas. Ah, c'est trop sec là. Voilà. Donc disposez des feuilles des légumes, vous les nourrissez en fait. Et au moins elles laissent vos plants. Elles laissent un peu plus vos plants tranquilles. Je dis pas qu'il y en a plus qui vont les attaquer du tout, mais elles vont les attaquer un peu moins. Ah, il y en avait encore une là. Ah, petit à petit, vous les tuerez pas toutes, hein, mais ça s'appelle de la régulation, quoi. Vous allez réguler les limaces dans votre potager. Moi bientôt, de toute façon, d'ici un an, j'aurai les canards courants indiens. Qui vont s'occuper de tout ça, j'aurais pu faire ça. Voilà, donc arrosez vos pièges à limaces, bien sûr, le soir, ok. Disposez des épluchures de légumes, n'importe lesquelles, ou des patates. Les limaces préfèrent attaquer ça que vos jeunes plants. Et voilà, et déjà c'est pas mal. Et puis en plus, si vous sentez, ben, le soir, avec la lampe frontale, et ben, vous allez chasser. Voilà les amis, allez, bon potager à tous, à bientôt.